sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord, les titres. En Assemblée nationale, les travaux en commission ont commencé ce jour au Palais de Verre de Ngoakele. La commission des finances examine la loi de règlement de l'exercice 2015. À suivre dans ce journal, les défis qui sous-tendent cette loi. Et puis, rideau sur la 8e édition du FENAC, le Festival national des arts et de la culture. Pendant une semaine, le public a pu apprécier la pétillance de près de 500 artistes venus des quatre coins du Cameroun. Exposition du génie créateur, mais également conservation du patrimoine artistique et culturel du Cameroun. Le bouquet final, c'était hier au Musée national en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016, JJ-5. C'est la dernière ligne droite des préparatifs. Le dispositif d'accueil est d'ores et déjà en place et les officiels de la Confédération africaine de football arrivent progressivement. À suivre dans ce journal les derniers updates. Voilà pour les titres. Bonsoir une fois de plus. Ce journal le s'ouvre avec cette brève. Assemblée nationale, les membres de la Commission des finances et du budget examinent depuis cette fin de matinée le projet de loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2015. Le texte est défendu par le ministre des Finances et de son homologue de l'économie. Le dit projet retrace avec exactitude le mandat définitif des recettes et des dépenses du budget de l'État pour les 2015. Dans l'après-midi, les commissions des affaires étrangères leur ont emboîté le pas pour examiner le budget de loi autorisant le chef de l'État Paul Biya à ratifier l'accord de Bangui, instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle. Accord révisé à Bangui, c'était le 14 décembre 2015 à Bamako, au Mali. Ambiance de deuil ce jour à Maroua, à la cour d'honneur de la région militaire interarmée numéro 4. C'était à l'occasion de la levée de corps de trois valeureux soldats tombés les armes à la main dans le cadre de cette lutte que mène notre pays contre les membres de la secte terroriste Boko Haram. Reportage. La cour d'honneur de la région militaire interarmée numéro 4 à Maroua ce jour était glaciale. Pour cause, les trois corps des valeureux soldats de l'armée camerounaise tombés les armes à la main dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Au pas allègre, le cœur lourd et les clairons sonnants, le deuil devant le gouverneur de la région de l'extrême nord et différentes autorités militaires de la région, parmi lesquelles les officiers, les sous-officiers, les militaires de rang, des gendarmes, des soldats, des officiers mariniers et les membres des familles, tous étaient éplorés. Ils se sont réunis pour dire au revoir au sous-lieutenant Kaldaoussa Philippe, le maréchal des logis chef Aigré Étienne et le soldat de deuxième classe, où est lui. Nous sommes là au nom du chef de l'État, couple présidentiel, pour recommander l'âme de ces vaillants soldats au Tout-Puissant. Ces vaillants soldats qui, il faut le rappeler, sont tombés les armes à la main au front. La grande famille de l'armée, au nom du chef de l'État, leur s'adresse les condoléances les plus attristées aux familles si durement éprouvées. Dieu a donné, Dieu a repris, et que béni soit son nom, car vanité des vanités, tout est vanité. À ses camarades d'armes, les militaires de la région de l'extrême nord ont dit au revoir à leurs trois frères tombés, les armes à la main.
Sécurité et maintien de l'ordre public, l'école internationale des forces de sécurité, IFORS, a remis ce jour dans la capitale politique du pays des parchemins de fin de formation et des médailles au 3e brevet d'études supérieures de sécurité et au 15e stage de formateur en ordre public. Cette sortie officielle s'est faite sous la houlette du ministre en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo. Nous y reviendrons certainement. Et si on parlait du 2e forum international avicole récemment tenu dans la capitale politique du pays, quel impact ce rendez-vous a eu sur l'aviculteur camerounais, notamment lorsqu'on sait que l'apprivoisonnement en poulet risque d'être très problématique durant ces fêtes de fin d'année? René Narcisse Motto. C'était un salon organisé à dessein et ce, compte tenu du contexte actuel et qui a contraint les aviculteurs à crépir dans le cachot du désespoir du fait de la présence de la grippe aviaire et dont il est encore difficile jusqu'à ce jour de confirmer ou pas la présence de cet épizootie dans les villes du Cameroun. Pour amener l'aviculteur à comprendre le contexte, pourquoi il vit la grippe aviaire, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter une éventuelle grippe aviaire par exemple? Comment est-ce que les autres ont géré la grippe aviaire dans le pays et comment est-ce qu'il faut faire pour gérer la grippe aviaire dans son propre pays? Ce salon, le 2e du genre, qui aura donc permis d'organiser des communications scientifiques, histoire d'outiller les acteurs du secteur avicole d'armes susceptibles de les aider à contourner la crise. Autour de ce salon et à marge de ce salon, si vous voulez, il y a eu, nous avons organisé des communications scientifiques. Voilà. Le thème d'ailleurs de ce salon, c'était « Enjeux et défis de l'agriculture ». Ce thème a été choisi exprès, compte tenu du contexte actuel. Pour l'interprofession avicole du Cameroun, cette rencontre internationale était une aubaine pour l'approvisionnement en poulet lors des fêtes de fin d'année et aussi et surtout une plateforme d'échange avec le gouvernement, l'occasion faisant le larron. Nous avons demandé et insisté sur le fait qu'il faudra que le gouvernement nous aide à mettre en place dans les principaux bassins de production ou de consommation de poulet que sont Douala, Yaoundé et même Bafoussam, des marchés de volailles qui respectent les normes. Et en plus de ça, nous avons demandé qu'on mette en place une charte sanitaire. Il faut mettre en place une charte sanitaire qui permettra à l'éleveur de se discipliner de toutes les façons. Et en plus de ça, il faudra mettre en place surtout une réglementation dans la filière avicole. C'est très important. Il faut noter qu'environ 2 millions de poussins seront mis sur le marché pour combler le gap de la production locale. Chantier d'infrastructures routières, de nombreux projets sont en cours. Le ministre des Travaux publics a bouclé par Baganté la visite des chantiers situés sur la nationale numéro 3, itinéraire de la canne féminine, et ceux des nationales 4 et 5. Emmanuel Nganou-Djoumessi a ainsi pu s'enquérir de l'état de dégradation de la chaussée sur l'axe Bekoko-Badjoun-Baganté, notamment au point de l'affaissement du pont à l'entrée de la ville de Baganté. Campagne urbaine J'améliore ma ville, l'événement parrainé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain s'est tenu du 10 au 12 novembre dernier à Bafoussam. Flore Kenyé. Je rêve d'une ville de Bafoussam planifiée. Je rêve d'une meilleure ville de Bafoussam. Loin de la sensibilisation et autres activités relatives à la campagne J'améliore ma ville, le ton fort de cette 2e édition aura été le discours du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Boinchon. Discours dans lequel il a fustigé le comportement des magistrats municipaux de la ville de Bafoussam. Une ville ne peut se développer si les principaux animateurs, les magistrats municipaux passent du temps à se lancer des flèches. Cité sans route, construction anarchique sont quelques clichés que renvoie la ville de Bafoussam. D'où l'appel du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la dite ville, lancé à l'endroit du gouvernement pour un cadre de vie véritablement propice à l'épanouissement de toutes les couches socio-professionnelles. Un appel qui se heurte à l'ambiance qui règne dans la ville. Je voudrais vous engager à être plus proactif avec vos maires. Constituer comme un voilà une plateforme de champ. Jean-Claude Boinchou renchérit.
Je ne lis pas le discours que mes collaborateurs ont préparé parce que c'est rien. Tout à l'heure, je disais en mer et je vais virer le marché et j'ai envoyé ça. Ils ne disent pas. Développer faut comme une. En marge de cette cérémonie, le Mindu a salué le travail du maire de Bafoussam II qui vient de recevoir le premier prix FECOM de la région de l'Ouest. Il invite également ses homologues à suivre son exemple pour développer la ville de Bafoussam. En santé, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, a commémoré ce 14 novembre 2016 la journée internationale de lutte contre le diabète. Occasion saisie par notre rédaction pour reparler de cette maladie, ce tueur silencieux que beaucoup ne connaissent pourtant pas. Rine Narcisse Moto. Alors que ce jour est journée mondiale du diabète avec pour thème les yeux sur le diabète, il est encore difficile de connaître les statistiques quant au taux de prévalence de ce tueur silencieux dans la capitale économique. À Douala, nous n'avons pas de statistiques précises en ce qui concerne la prévalence ou l'incidence du diabète. En tout cas, je n'en connais pas. Mais il faut dire qu'en général, les maladies non transmissibles, qui sont l'hypertension et le diabète, touchent à peu près, selon des études que nous avons faites à la Société Camerounaise de Cardiologie, dans les centres urbain en tout cas, près de 30 voire 40% de la population. Ça veut dire presque un patient ou en tout cas un habitant sur trois est soit hypertendu, soit diabétique. D'après les médecins spécialistes, la défaillance organique est l'une des principales conséquences de la maladie diabétique avec notamment un déficit visuel fréquent chez les patients. Au Cameroun, par exemple, le diabète a été placé sur la liste rouge car 1,2 million de personnes sont atteintes de diabète, d'où l'importance des campagnes de sensibilisation, lesquelles sont désormais menées à Douala à travers des journées de dépistage gratuites au moins de quelques stratégies mise en place. Alors, le dépistage ici nous permet d'aller d'abord vers les populations. C'est la première démarche. Ne pas attendre que les patients viennent simplement à l'hôpital, mais aller vers les patients. Maintenant, le dépistage aussi, effectivement, c'est à détecter une maladie qui peut évoluer de façon sournoise pendant bien longtemps et n'apparaître qu'au moment des complications. Le dépistage nous permet déjà de poser un diagnostic précoce. Sous le parrainage du ministère de la Santé publique, il existe depuis 2012 12 centres de soins appelés cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle, accueillant les patients pour le dépistage et le suivi des patients. Et puisqu'on parle du diabète, évoquons ce type de diabète qui ne s'attaque qu'aux femmes enceintes, Inès Pangan nous enseigne sur le diabète gestationnel. Qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce que cette maladie se manifeste-t-elle? Un diabète propre aux femmes enceintes, touchant selon la Fédération internationale de lutte contre le diabète, 15% des femmes enceintes dans le monde, est capable de provoquer la mort subite du fœtus. Une personne qui avait une glycémie normale, qui allait très bien, qui avait le glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, c'était normal, brusquement, ça monte, ça se met à déraper, et ça met en danger surtout l'enfant. Les causes encore inconnues par le monde médical, mais des éléments d'information liés aux antécédents familiaux de diabète, aux problèmes de surpoids pendant la grossesse, peuvent permettre de détecter ceux qui sont prédisposés à faire cette pathologie. La cause du diabète gestationnel, la cause même pourquoi ça survient chez certains et ça ne survient pas chez les autres, on ne la connaît pas. Donc on ne peut pas dire d'avance que la conséquence... c'est qu'il y a un excès de sucre. Il est tout de même réconfortant de savoir qu'il disparaît après la grossesse et que dans les cas où la grossesse est bien suivie par le corps médical, l'accouchement peut se dérouler sans incident. Systématique, toutes les femmes enceintes subissent les examens dans ce sens-là. Et vers la fin, au début de la grossesse, et si on peut le faire en cours de grossesse aussi, vers le deuxième trimestre, on commence à demander du sucre dans le sang pour s'assurer qu'il n'y a pas ce phénomène qui apparaît brusquement. La conduite à suivre pour prévenir, réguler sa consommation de sucre et faire attention à son poids au cours d'une grossesse. En bref, le Dantol tue 14 personnes à Mindoro dans la région de l'Est.
Les victimes sont issues de 7 villages environnants et tout se répartit des retrouvailles fraternelles et conviviales qui rythment la vie au village après les travaux champêtres. Les uns et les autres se sont retrouvés pour partager ce précieux nectar. Malheur en a pris car quelques heures plus tard, certains consommateurs perdront la vue, développeront des hallucinations avant de décéder. L'on dénombre aujourd'hui 14 morts et 2 rescapés pris en charge dans des formations sanitaires. Actuellement, une équipe médicale recense tous ceux qui ont consommé cet alcool frélaté pour une prise en charge rapide et des relais communautaires sont déployés sur le terrain pour sensibiliser les populations quant aux méfaits de ce type d'alcool. En culture, après une semaine de festivités, la 8e édition du Festival national des arts et de la culture a refermé ses portes à Yaoundé. C'était hier dimanche au Musée national. Prix et distinctions ont été remis aux méritants de plusieurs disciplines. Au total, 130 distinctions honorifiques. La cérémonie de clôture aura donné lieu à un grand concert de musique. Et puis, signalons au bord de cette brève que le FENAC 2016 a été endeuillé samedi dernier, après le décès de Arthur Sibita, l'un des pionniers du cinéma camerounais. L'auteur de l'œuvre Les Coopérants a participé quelques heures avant son décès à une table ronde sur l'industrialisation des métiers créatifs en présence de la représentante de l'Union européenne au Cameroun. Avant sa disparition à l'âge de 74 ans, il a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre de la Valeur dans le cadre des distinctions accordées par le chef de l'État. International, le président de la transition au Burkina Faso demande au président élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, de s'occuper aussi du reste du monde et bien sûr de l'Afrique avec beaucoup de sagesse. Écoutons à ce propos Michel Cafando, il s'exprime au micro de nos confrères de VOA. Monsieur le Président, pour la voix de l'Amérique, que dites-vous sur l'élection de Donald Trump? Vous me posez une question à brûle pour point. C'est un sujet sur lequel je n'aurais pas voulu me prononcer. Mais je me dis que l'élection à laquelle nous avons assisté et qui a porté au pouvoir M. Donald Trump, et c'est le choix du peuple américain. Tout ce que nous espérons, c'est qu'à l'issue de ces débats qui ont été quelquefois vraiment houleux, la nouvelle administration que va diriger M. Trump comprenne qu'il y a les slogans politiques, mais il y a les réalités politiques. Et nous espérons que très tôt, les réalités politiques, la réelle politique l'emportera sur les autres considérations. Et que le nouveau président pourra avec sagesse envisager, considérer et régler les problèmes du monde en n'oubliant pas naturellement le continent africain. Et puis en sport, Cameroun-Zambie, c'était ce samedi au stade Omnisport de Limbé. À la suite de cette rencontre terminée sur le score d'un but partout, le sélectionneur des Lions Indomptables a bien voulu s'exprimer au micro de Spectrum Télévision. Je pense, et ça j'ai toujours dit aussi, le résultat était si positif que tout le monde avait déjà pensé qu'on était déjà arrivé. Hein, on parlait déjà de gagner la Coupe d'Afrique. Écoutez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et, je suis un peu déçu du premier mi-temps. On a fait un premier mi-temps très mauvais. C'est pas la première fois. Aussi, en Algérie, on a été les premières 20 minutes hors du match. Mais ici, le premier mi-temps était beaucoup trop mou. Et en plus, on est encore mené à la marque avec une manque de concentration sur un coup franc. Donc, c'était pas du tout bien. Mais ça montre encore une fois, et surtout les deux imitants qu'on a vus, que de quoi on est capable, mais qu'on n'est pas encore là où on doit être. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et surtout les prochains mois, on doit être prêt pour la CAN en janvier. Et en fait, ça ne change pas beaucoup, ce match nul aujourd'hui. Parce que déjà avant ce match, on savait qu'en mois de septembre, les deux matchs contre le Nigeria seront des matchs décisifs.
Donc ça reste un match, ça reste deux matchs décisifs. Et on sera obligé de gagner pour avoir encore une chance d'aller à la Coupe du Monde. Féminine Cameroun 2016, à 5 jours de l'événement, le dispositif d'accueil est en place. Les officiels de la CAF arrivent progressivement sur la 60aine attendue. 23 sont déjà là. Quant au Lyon, après le match amical d'hier contre la Tanzanie, qui s'est achevé sur le score de 2-1 en faveur de la Tanzanie, les joueuses des Nongachou ont soufflé ce jour en famille avant de regagner la tanière. Nouvelle semaine, nouvelle édition de l'Avant-CAN, votre magazine spécial consacré aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations version femmes. La CAN débute donc ce samedi et depuis ce matin, l'on connaît enfin les noms des joueuses retenues pour défendre les couleurs du Cameroun. L'équipe de l'Avant-CAN de ce soir est composée de Makeda Lidignotium et Emmanuel Tibui. Is for the woman, and the woman got the power. With the power, she can conquer every game. She can conquer every game. Dans le cadre de cette nouvelle édition de l'Avant-CAN. Comme vous le savez, c'est votre magazine consacré aux préparatifs de la CAN féminine 2016. Le Cameroun, pays hôte de la CAN cette année, entame dès ce lundi le sprint final puisque la compétition démarre ce samedi 19 novembre. Alors, à 5 jours justement du kick-off de cette CAN, l'on est enfin fixé sur la composition de l'équipe nationale du Cameroun. Au lendemain de la défaite du Cameroun à Yaoundé en amical, un but contre deux face à la Tanzanie, l'entraîneur national Karl Enongachu a rendu publique la liste des 21 joueuses retenues pour cette CAN 2016. Trois gardiens de but ont été appelés, Annette Ngondom, Tekle Mbororo et Mabingo Mabingo. À la défense, elles sont six joueuses, Yvonne Leco, Marie Awona, Mani Christine, la capitaine, Fallon Mefumetu, Isis Sonkeng et Edjange Silikish Augustine. Au milieu, on retrouve Grace Yango, Nchut Njoya Adjara, Raissa Fedjo, Gombelek Geneviève et Ngani Agathe. Et enfin, à l'attaque, on retrouve les joueuses Agnès Nkada, Renaud Mani, Ada Jaquette, Akaba Henriette, Aboudi Ongene, Gombak Batoum et Gaëlle Nganamuita attendues cette semaine au Cameroun. Voilà dans la liste des 21 lionnes indomptables qui sont appelées à défendre nos couleurs pendant cette compétition. Et au regard de la publication de cette liste par l'entraîneur Karl Enongachu, l'on constate que celui-ci a effectivement laissé sur le carreau les joueuses Francine Zuga et Cathy Boudou, telles qu'il avait annoncé il y a quelques jours plus tôt. À côté de ces mondialistes, d'autres aussi ont été écartés, la gardienne Flore Enyégué, la défenseuse Wanki Awashui, le milieu Ninon Abena et l'attaquante Rose Mbella qui était au Canada. Des joueuses comme Ada Jaquette et Gopak Batoum qui n'étaient pas de l'exposition canadienne sont donc retenues pour cette compétition. Dès ce lundi, nous vous proposons dans ce magazine le portrait d'un des 8 pays qualifiés pour la CAN féminine. Et ce lundi, on démarre par le Nigeria. Le Nigeria qui est l'équipe championne en titre et qui remettra justement ce titre en question sur la table, notamment lors de cette CAN. Il faut tout simplement signaler que le Nigeria, c'est la meilleure équipe africaine de football féminin parce qu'elle a remporté 9 des 11 championnats d'Afrique depuis sa création en 1991. Le Nigeria est aussi la seule sélection africaine à avoir atteint les quarts de finale d'une phase finale de Coupe du Monde de football féminin. C'était notamment en 1991. Après cette performance, les Nigérianes ont été éliminées au premier tour en Coupe du Monde par la suite. Aux Jeux Olympiques d'été, elles sont sorties dès le premier tour également des JO 2000 à Sydney. Puis elles ont atteint les quarts de finale en 2004. En plus de ses 9 titres remportés au championnat d'Afrique, le Nigeria a remporté les Jeux africains en 2003,
et en 2007. La formation nigériane est attendue au Cameroun ce mardi. Et le Nigeria est logé dans le groupe B basé à Limbé avec pour adversaires le Mali, le Ghana et le Kenya. Et c'est juste à côté de ces drapeaux du Cameroun que nous refermons ce numéro de la VanCan. Les Camerounais sont évidemment appelés à aller supporter les Lions indomptables tout au long de cette compétition. On se retrouve demain, même chaîne, même heure. Au revoir. Merci Makeda Lidinochom. Rideau donc sur le 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dès 20h, vous avez rendez-vous avec Véronique Hadji pour le journal en langue anglaise. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut. Alors à demain.